Et comme une grâce ne suffisait pas, Dieu m'a donné une deuxième grâce d'être avec Mamie Hermance, qui est la sœur de ton Gilbert, Mamie Hermance. Mamie, cette année, tu donnes quel âge, Mamie? 94 ans. Cette année, tu donnes 94 ans. Cette année, je vais... 95 ans. 95 ans. Et qu'est-ce qui t'a tenu en aussi bonne forme, Mamie? La parole de Jésus-Christ. La parole de Jésus-Christ. La Bible, que j'ai rencontré Jésus à 11 ans. À 11 ans, tu as rencontré Jésus? Ah oui, oui, oui. Il m'a appelé. Et je suis là jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant. Je suis mariée à 19 ans. J'ai eu 13 enfants. J'ai adopté qui fait 14 enfants. 14 enfants. Et je suis là avec lui. Et est-ce que tu es heureuse, ma mère? Ah là 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 là, pour moi, je suis heureuse. Amen, amen, tous tu as Jésus. Mes enfants sont là avec moi. Je n'ai jamais perdu un enfant, merci Seigneur. Grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Et mamie, étant donné ton âge avancé, est-ce que tu as peur de la mort, surtout par rapport à ce que tu entends avec le COVID, le fait des gens qui meurent? Est-ce que toi, ça te fait peur en tant que chrétien? Non, non, non. Je ne suis pas peur de la mort parce qu'après la mort, il y a la résurrection en Jésus. Amen, amen. Et Jésus nous a promis, il va nous ressusciter, il nous amène au ciel. Amen. Il viendra pour juger les vivants et les morts. Alors si on a bien agi, on va monter au ciel avec lui. Amen. Alors moi je n'ai pas peur de la mort. Si la mort vient, je vais l'accepter. Amen. Mais je suis heureuse avec mes 13 enfants. Et amen. 48 petits-enfants. Et combien d'arrières, mamie? Et 56 arrières-petits. Et j'ai un petit qui me rend 10 arrières. Tu as des arrières-petits-enfants, oui, aussi, mamie? Oui. Wow. Alors, je loue le Seigneur prend soin de moi. Le Seigneur prend soin de toi, mamie. Et j'aime mes enfants même. Et même leurs amis. Et même leurs amis aussi. Donc, tu es une dame qui est très entourée. Ah, et, oui. Et qu'est-ce que tu pourrais dire à un jeune qui peut-être, à 20 ans, peut-être lui, il est déjà fatigué de la vie. Et toi, tu as 95 ans, tu as toujours la joie de vivre. Quel encouragement tu pourrais lui donner à ce jeune de 20 ans? Je vais lui dire de prendre Jésus. Car lorsqu'on est avec Jésus, on est heureux. Il n'y a pas de tristesse. Même s'il y a des souffrances, mais on a confiance en Jésus. Amen. Merci, Mamie Hermance, pour cette émotion.